C'est ça. Eh bien, nous voici cette fois-ci non plus sur le plateau de la Web TV, mais sur la terrasse. Et cette année, nous recevons les réalisateurs québécois par Zoom intercalé. Et donc, je suis ravi d'accueillir Mathieu Grimard, réalisateur de Goodbye Golovin. Mathieu, bonjour. Merci, bonjour, merci de me recevoir. Voilà, donc tu nous parles depuis quel endroit, toi? Présentement, je suis à Montréal, à la maison, donc... au Canada. Donc, Montréal, donc. Ouais. D'accord. Alors, petite question que je pose un petit peu à tout le monde cette année, c'est comment tu es tombé dans le cinéma? Je suis tombé dans le vidéoclip avant de tomber dans le cinéma. C'est la première forme d'audiovisuel qui m'a interpellé, qui m'a attiré, qui m'a engagé. Puis au fur et à mesure à travers le vidéoclip et la pub, ben tranquillement j'ai ressenti le besoin de créer des choses qui venaient de moi, puis le cinéma a fait sa place tranquillement dans mon quotidien, puis maintenant j'essaie de donner le plus de place possible. Super. Alors avant de parler de ton film, si c'est prêt en régie, on va regarder un petit extrait. Alors, comme j'ai pas de retour, je ne sais pas si l'extrait est parti. He was a good man. Our love was silent. His presence was an institution, a regime. Now that he's gone, I can be me. Alors Mathieu, est-ce que tu peux nous dire comment t'es venue l'idée de ce film? L'idée de ce film, c'est un peu la combinaison de plusieurs choses. Choses en fait. Au départ, j'avais le désir d'aller voir ailleurs, d'explorer un peu un autre territoire, une autre culture, voir de nouveaux visages, de nouveaux décors. Donc, je cherchais à ne pas tourner à la maison, à sortir de chez moi pour aller m'intéresser à quelque chose d'autre. Puis en 2017, je crois, je suis tombé sur un documentaire sur YouTube de ID Magazine qui parlait de la jeunesse ukrainienne. Puis de la guerre civile dont il sortait. Puis, ce documentaire-là m'a vraiment inspiré une quête personnelle que j'ai vécue d'une manière assez différente, mais je me suis senti confortable puis attiré vers l'Ukraine pour aller vraiment mettre en place cette histoire-là. Puis, ouais, voilà, c'est un peu la combinaison de ces trois choses-là. Et alors, du coup, c'est tourné là-bas ou c'est tourné au Canada? J'ai tourné à Kiev, en Ukraine. On est parti, on était trois, le chef op, moi et le producteur. On est parti, on a tourné trois jours à Kiev, en Ukraine, avec une équipe qu'on rencontrait pour la première fois. Ça a été vraiment une aventure assez... ça aurait pu être assez casse-cou, honnêtement. On parlait pas la langue, c'était la première fois qu'on mettait les pieds là-bas. Mais étonnamment, ça s'est vraiment bien passé. Puis, ouais, donc 100% du tournage a été fait à Kiev ou dans les banlieues autour de Kiev. Et tout ça, ça avait été préparé avant. Il y a eu un travail de repérage, de constitution d'équipe, de casting. Enfin, comment il y a ça... eu la première chose là, qui était vraiment super importante pour moi pour aller faire ce film-là puis me sentir confortable de le tourner à Kiev dans une autre langue avec une autre culture, c'était vraiment de trouver
un partenaire là-bas, un local, qui allait pouvoir nous aiguiller, oui, sur la recherche de lieux de tournage, sur la langue, sur ce qu'on disait, de la manière qu'on le disait, sur la recherche de casting aussi, puis pour créer l'équipe de tournage là au niveau de la production. Donc, la première chose que j'ai fait sur mon Facebook, c'est demander à mes contacts s'ils connaissaient une personne en production à Kiev qui pouvait nous accueillir. Puis, on a trouvé Sergei Solodko, qui est originaire de Kiev, puis il a vraiment pris en charge le projet de A à Z avec nous. Il nous a accueillis, puis il nous a vraiment conseillé sur ce qu'on disait, ce qu'on filmait. Donc, oui, il y a eu énormément de préparation avant, mais je vous avoue que j'avais besoin un peu d'un deadline. Donc, j'ai dit à mon producteur ici au Québec, j'ai dit, achète les billets d'avion, on part dans un mois, puis d'ici un mois, je vais m'arranger pour compléter le scénario. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et du coup, sur place, tu as passé combien de temps? On est parti 8 jours au total. On est arrivé là-bas, on avait déjà scouté quelques locations par photo. Donc, on avait fait des sélections, même chose pour le casting. Puis, une fois qu'on est arrivé sur place, on n'a pas eu le temps de niaiser. On a fait 4 jours de recherche de location, rencontre de comédiens, puis un peu de shopping pour les vêtements. Puis, on a fait 3 jours de tournage pour avoir un down day à la fin où on est allé à la plage. Et donc, un côté un peu guérilla quand même, on va dire. Absolument. Puis, tu sais, je vous avoue que c'est pas les mêmes normes. Je sais pas en France, c'est quoi les normes de tournage, les permis. J'imagine que ça doit ressembler ici à Montréal, mais là-bas, on était un peu plus libre. C'est plus guérilla, ouais, comme vous dites. Oui, ça te plaît ce genre d'énergie un peu. J'adore. Puis c'est vraiment là. J'espère que ça peut être quelque chose qui peut me définir éventuellement dans mes prochains projets. C'est un processus que j'adore. Il y a plusieurs scènes qu'on a improvisées là-bas. Par exemple, il y a une séquence où le protagoniste court avec des enfants dans la banlieue avec les buildings. Puis j'aime laisser cette liberté-là de trouver des trucs extra sur le tournage puis d'improviser certaines scènes. Puis on avait une équipe assez petite, assez réduite pour se permettre de compléter le film avec des moments un peu imprévus comme ça. Oui, et puis pour ce genre de film, ça donne une énergie, on la sent d'ailleurs dans le film, hein, une énergie vraiment de l'urgence, une énergie de... Il y a à la fois une urgence du personnage principal et puis mélanger un peu à cette errance. Enfin, je trouve que c'est vraiment un dosage très intéressant là-dessus. Mais vous savez quoi, ça me fait vraiment penser à... Je pense qu'on avait... En s'expatriant dans une ville, dans un pays qu'on voyait pour la première fois, nous, on voyait du beau dans des choses très quotidiennes pour eux, peut-être là où eux ne le voient plus. C'est exactement dans cette position que le protagoniste se trouve la journée où il décide de quitter sa ville natale, qu'il n'a vraiment jamais nécessairement apprécié ou vu sous son plus beau jour. Ben, il se met à remarquer des choses banales qui en fait il voit la beauté chez lui qu'il a jamais vu avant. T'sais. Fait qu'on avait un peu le même regard sur la ville que le protagoniste. Oui, et puis il y a des plans magnifiques sur cette cité. Enfin, c'est vraiment, ça rend bien à la fois le côté il est enfermé là-dedans et en même temps elle est regardée presque comme quelque chose de beau, d'un peu éthéré. Enfin. Et alors du coup, comment dernière question, parce qu'on arrive à la fin de l'entretien. Comment s'est passé le travail avec ce comédien, j'imagine, en passant par l'anglais? On passe toujours par l'anglais, hein, parce que le comédien ne parlait ni anglais ni français. Donc, notre fixeur, Sergei, dont je vous parlais tantôt, a été l'interprète pour vraiment traduire toutes les directions, toutes les intentions à l'acteur. Mais je vous avoue que ce qui a fait, ce qui nous a donné le plus grand coup de pouce dans cette collaboration-là, c'est que c'est un excellent acteur, puis il a compris le personnage assez rapidement. Donc, je vous avoue que des fois, là, ça m'a vraiment étonné, mais même malgré la barrière de la langue, on se comprenait assez bien. Puis la communication, c'est quand même vraiment bien fait. Bon, ben merci beaucoup, Mathieu. Et puis, bonne continuation. Pour merci le film, à vous. Pour ta carrière. Merci, bon festival. Merci de me recevoir. Merci. Au revoir.
Au revoir. Alors, donc, on va maintenant recevoir sur le plateau virtuel Simon Gionnet, réalisateur de Cayenne. Et en attendant d'établir la connexion, on va regarder un extrait de film. Oui, c'est Samuel. Puis toi? Clara. On s'est déjà vu? Non, je pense pas. Ouais, je t'avais remarqué sinon. Oh, bienvenue. T'as-tu checké ton niveau d'huile? Ouais, ça va l'air correct. T'es aux études? Génie mécanique. Ah, c'est là que t'as appris à réparer les chars? Pas vraiment. T'as-tu déjà eu des problèmes avec avant? Non. Eh bien, je suis maintenant avec Simon Gionnet, réalisateur du film Cayenne. Donc, Simon, bienvenue. Merci. Voilà, cette année, c'est un peu particulier. Hein, on fait les interviews à distance. C'est correct, ça va. Alors, tu es où? Tu es à quel endroit géographiquement? En ce moment, je suis à Montréal. À Montréal, d'accord. Donc, comme Mathieu Grimard l'entretient juste avant. Je voudrais savoir déjà comment tu es tombé dans le cinéma, comment tu t'es mis à faire du cinéma, comment ça s'est passé pour toi? Bien, a priori, après mes études secondaires, j'ai étudié la littérature au cégep, donc dans le cours de 17, 18, 19 ans. Donc, j'ai étudié la littérature, j'ai toujours été intéressé par l'écriture. Graduellement, j'ai aussi exploré un peu le théâtre, le cinéma durant ces années-là. Puis, je me suis rendu compte que le cinéma m'interpellait parce que je connais bien, en fait, différents champs d'intérêt, c'est-à-dire à la fois une certaine part de théâtre, un aspect visuel assez fort, la possibilité d'écrire les projets que je veux réaliser. Donc, ça rassemblait à la fois une certaine part de culture, une passion pour le jeu, le théâtre, une passion pour l'image. C'est ce qui m'a amené à faire en cinéma. Et alors, comment t'es venue l'idée de ce film Cayenne? Bien, initialement, l'idée, c'est de se former au fur et à mesure de discuter avec des amis de leur propre expérience en tant que femme dans des situations où est-ce que, dans des situations, disons, ambiguës, tendues avec un homme dans un espace public, par exemple. Puis ce qui m'intéressait, c'était de transmettre, de traduire par une expérience cinématographique le sentiment d'appréhension et de tension qu'une femme peut ressentir dans son expérience quotidienne. Puis c'était, comment dire ça, ce sentiment, cette position ambiguë où est-ce qu'une femme peut se retrouver, où est-ce qu'elle se demande si elle doit faire confiance ou non à la personne qui est devant elle, dans son comment on va faire confiance devant nous. Oui, il y a un très joli travail dans ton film, j'ai trouvé déjà sur l'ambiance, sur l'atmosphère, hein. C'est, pour moi, c'est vraiment un film d'atmosphère, mais il y a aussi tout un travail sur les regards, sur j'essaie de deviner les intentions, et ça, je trouve que ça passe très, très bien. On est beaucoup sur elle, on est beaucoup sur ses réactions, on devine en fait ce qui se passe à l'intérieur de sa tête par des mouvements de tête, des regards. C'est quelque chose que tu avais pressenti dès l'écriture? C'est des choses qui sont développées aussi en travaillant sur le découpage pendant le tournage? C'était déjà très présent à l'écriture puis au découpage, donc avant le tournage. Parce que bon, le film prend le point de vue du tournage final, puis je pense que c'était très... Ce point-là qui existe, cette appréhension-là, cette ambiguïté, je pense qu'elle se ressent surtout par le corps et par les regards. C'est une expérience qui est très physique.
le regard, est-ce que le regard a quelque chose de très menaçant? C'est un outil, un outil de pouvoir dans un sens, c'est-à-dire que le regard prolongé peut accentuer la crainte, la peur. Donc, oui, je voulais la présence des regards, des corps dans l'espace, de sentir que le personnage se sente suivi. C'est de donner cette impression-là qu'il y a toujours quelqu'un qui épie à l'arrière. Donc, ouais. Oui, et puis tu disais aussi, et je trouve que c'est assez juste, c'est que c'est des choses qui sont plus physiques que rationnel, et du coup ça passe effectivement par le corps, et il y a tout un travail de la comédienne et j'imagine de toi en la dirigeant justement sur ressentir des choses dans le corps, et des fois c'est le corps qui parle avant de peut-être se dire ben non, c'est stupide d'avoir ces peurs là, elles sont irrationnelles mais elles sont quand même dans le corps, quoi. Exactement, puis c'est des peurs que tu peux pas vraiment formuler dans ce cas-ci, c'est que comme tu ne le sais pas, si tu le formules dans le corps, tout de suite, ça jette un sort de foi ou un sort de malaise. C'est-à-dire que la commis, elle ne peut pas dire verbalement, en tout cas, au conducteur, est-ce que tu as des intentions malveillantes? Il y a plein de non-dits. Elle ne peut pas le dire ou elle ne veut pas le dire. Donc, à ce moment-là, tout passe par le public, par les regards. On a essayé de garder une certaine ambiguïté dans le jeu des comédiens. C'est-à-dire que Marianne Sorcier a gardé une certaine ambiguïté. C'est-à-dire qu'on la sent toujours hésiter entre est-ce que je fais confiance ou est-ce que je retourne à la station. Et du côté du conducteur, on voulait garder aussi une certaine ambiguïté. C'est-à-dire que on sent qu'il y a peut-être des intentions louches, peut-être qu'il est intéressé par la conductrice, peut-être qu'il y a une attirance sexuelle, on ne le sait pas. Mais peut-être aussi que c'est juste un conducteur, un petit conducteur, mais qui au fond, peut-être un bon fond. Mais ça aussi, on ne le sait pas. Donc, il fallait garder aussi cette ambiguïté-là aussi. Ouais. Alors, une dernière question, parce qu'on arrive à la fin de l'entretien. Oui. Moi, j'ai lu dans le film, mais justement, je voulais savoir si c'est quelque chose qui était voulu de ta part ou non, mais moi, j'ai lu dans le film que à cette femme-là, il était déjà arrivé quelque chose dans son passé. Est-ce que c'est quelque chose qui était intentionnel ou c'est juste une lecture de ma part? C'est une lecture, je pense, tout à fait valide. C'est-à-dire que le film offre pas cette information-là. Oui, je sais, oui. Mais je pense qu'on peut très bien déduire que... Mais je pense que c'est le cas de la commis, comme c'est le cas de beaucoup de femmes, là, c'est-à-dire que c'est des expériences répétées, des expériences du quotidien. Donc, oui, je pense que c'est tout à fait valide de croire qu'elle a déjà vécu des expériences comme ça, puis que c'est la raison pour laquelle elle est déjà elle est tout de suite dans une posture d'appréhension dès le début du film, parce qu'elle a déjà des expériences en tête. Puis bon, c'est sûr qu'elle est aussi dans une situation essence la nuit, donc il y a aussi un contexte qui est plus inquiétant. Ouais. Ben, écoute, Simon, merci beaucoup. Ah, on me dit que j'ai encore un tout petit peu de temps. Ah, bon. Alors, justement, je voulais, pour continuer sur cette thématique, mais je trouve ça aussi intéressant, justement, qu'on puisse se dire que c'est pas parce qu'elle a vécu un événement traumatique, mais que c'est juste le quotidien des femmes d'être souvent... harcelé ou en tout cas avec insistance, et que peut-être ça suffit effectivement dans ce contexte de nuit et d'isolation pour créer des réactions un peu exacerbées qui sont finalement des réactions physiques, quoi. C'est... Oui, exactement. Puis, ultimement, sa réaction, certains spectateurs vont peut-être penser qu'elle était trop forte, puis beaucoup d'autres, au contraire, vont penser que c'est une réaction tout à fait légitime parce qu'en effet, il y avait un danger qui était présent. Puis chacun va trouver sa propre réponse, mais oui, c'est une expérience très, très physique. Je pense qu'en effet, c'est une expérience du quotidien. Donc, en ce sens-là, je pense que le geste qu'elle pose à la fin, disons vers la moitié du film, je pense qu'il est en ce sens-là très, très légitime. Là, ouais. Mais je trouve que c'était très juste, justement, de garder cette ambiguïté pour que, justement, on puisse faire finalement diverses lectures en fonction de d'où on vient, en fonction de l'empathie qu'on peut avoir, en fonction des expériences qu'on a soi-même vécues. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais.
Alors, une dernière petite question, j'ai le temps. Ah, une dernière. Je regarde sur la droite parce que j'ai la chef de la Web TV qui. juste une question que j'aime bien poser cette année parce qu'on a placé un petit peu le festival sous le signe du cinéma comme une utopie. J'ai envie de te demander un peu pourquoi. Alors, je t'ai demandé comment tu faisais du cinéma, mais aussi pourquoi maintenant tu fais du cinéma. Ça représente quoi pour toi le cinéma? C'est une très bonne question. Je pense que pour moi, un des éléments de réponse clés, c'est de mettre à l'écran des expériences humaines qui sont ambiguës, qui sont conflictuelles. C'est-à-dire que je sais pas, des personnages dans des situations qui vont confronter les spectateurs puis qui me confrontent également. C'est-à-dire qu'ils posent la question de comment est-ce que j'agirais dans cette situation-là comme individu. Donc, moi, j'aimerais mon travail, j'essaie surtout de l'orienter vers une recherche d'ambiguïté, là, c'est-à-dire de cerner des situations où est-ce que, comme spectateur, on a des difficultés à cerner exactement comment on agirait durant certaines situations. Puis à ce moment-là, ben, parce qu'on a une certaine incertitude par rapport à notre propre réaction potentielle, ben, on est aussi amené à s'identifier au parcours des personnes. Ben, merci beaucoup, Simon. Merci beaucoup. Et bonne continuation pour le film, pour sa carrière en festival, et puis à toi pour ta carrière de cinéaste. Merci beaucoup pour l'entretien, c'était bien agréable. Au revoir, Simon. Au revoir. Alors, on va recevoir maintenant Pierre Garcia-Rennes, réalisateur du film Au Corbeau, Au Corbeau, dont on va voir un extrait maintenant. On est revenu d'ailleurs en direct. Ouais. Donc voilà, je reçois Pierre Garcia-Rennes, réalisateur de Au Corbeau, Au Corbeau. Donc bonjour Pierre. Bonjour. Alors tu es où géographiquement là? Alors là en ce moment, je suis dans le sud de la France. Je suis à côté de Albi. D'accord, donc t'es pas si loin que ça en fait. Non, exactement. Je suis pas, un peu loin, mais par rapport à Montréal, c'est sûr que ça n'a rien à voir. D'accord. Alors, première question que je pose un peu à tous les invités, c'est comment tu es tombé dans le cinéma? Comment je suis tombé dans le cinéma? En filmant, tout simplement, je pense. Je suis tombé dedans en ayant une caméra et en commençant à découvrir ce que ça voulait dire de filmer quelqu'un, filmer des expériences. Après, il y a eu plusieurs étapes dans cette construction-là. Le cinéma d'animation, il est arrivé après. Parce que le film qui a été sélectionné là, du coup, dans Off Course, c'est un film d'animation. Et ça a été une autre rencontre, en fait. Ça se joue beaucoup sur des rencontres, les étapes dans lesquelles je suis tombé dans le cinéma. Et ça a été des rencontres avec des gens qui créent des films d'animation, avec des univers graphiques, voilà. Alors justement, sur un film comme Au Corbeau, Au Corbeau, ton rôle, c'est quoi? C'est-à-dire que est-ce que c'est toi qui fabrique? Est-ce que c'est toi plutôt qui conçois le film et après tu travailles avec des gens qui, eux, sont des gens qui vont fabriquer? Enfin, comment ça se passe? Ça se passe pas tout seul. Déjà, c'est une belle équipe autour. Moi, je suis... c'est toujours dur à définir le statut réalisateur. Je trouve qu'il est très... il enferme beaucoup dans un poste ou dans un système hiérarchique, alors qu'en fait, toutes les réalités de tous les films, il me semble, sont beaucoup plus complexes. Et là, c'est un travail d'équipe avec un groupe de graphistes et de designers de Montréal, qui fait partie d'une boîte qui s'appelle Bye Bye Bambi.
où il y a eu tout un travail du coup de fabrication plastique avec eux, de création graphique, donc de recherche d'abord d'univers. On est allé chercher des matières, on a fait des tests de fabrication. Donc là, en fait, c'est plein de petites mains qui viennent travailler. Moi, je suis pas du tout tout seul à coller des bouts de papier à fabriquer les oiseaux, parce que c'est un film avec pas mal d'oiseaux. Et après, il y a d'autres personnes aussi. Le film, après, il est parti en France. Enfin, je suis rentré en France avec le film. Et là, il y a eu tout un autre travail avec un réalisateur sonore qui a travaillé toute la bande originale. Donc, en fait, il y a un travail de coordination, on va dire, entre ces différentes personnes et d'avancer le projet avec ces gens-là. Mais c'est un beau travail d'équipe, ouais. Et alors, comment t'es venu l'idée du film ? Pareil, c'est d'une rencontre. Je suis parti à Montréal en 2015, je crois, ou en 2015. Et le premier jour, en fait, où je suis arrivé à Montréal, j'ai rencontré dans la rue un collectif une association qui s'appelle Ex Aequo, et qui travaille sur la défense des droits des personnes autochtones, notamment via tout l'engagement culturel des personnes autochtones. Et en fait, j'ai commencé à discuter avec elle et présenté pour la première fois un recueil de contes qui était un gros pas dans la transmission de la culture, de certaines cultures autochtones, puisqu'il y en a une multitude. Et en fait, ce recueil de contes, il m'a vachement frappé. Et je l'ai gardé en tête pendant longtemps. Et après, plusieurs fois pendant mon année à Montréal, il y a la question surtout politique, en fait, de la colonisation et de la place des personnes autochtones en Amérique du Nord et plus précisément au Québec. Et il y avait du coup une grosse frustration de ma part de pas aller au bout de ce questionnement que j'avais. Et à la fin de mon année là-bas, j'ai rencontré ce groupe de designers et de graphistes qui m'ont proposé de faire un film d'animation. Et là, je me suis dit que c'était le moment ou jamais d'essayer de créer quelque chose avec ces questionnements que j'ai eus, qui ne m'appartiennent pas du tout, vu que j'y ai vécu qu'un an, mais qui m'ont, on va dire, qui m'ont bouleversé. Et du coup, ça a entraîné, en fait, le souvenir de ce conte que j'avais découvert le premier jour de mon arrivée à Montréal. Et tous les questionnements que j'ai eu pendant l'année sont revenus. Et là, du coup, il y a eu cette envie de faire ce film avec ces personnes-là. Oui. Et du coup, c'est le direct. Oui, c'est très bien. Et du coup, il y a... Je trouve que c'est... Alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans ton film, c'est à la fois le côté très épuré, mais il y a une complexité, bien sûr, dans les oiseaux, dans l'animation, mais il y a aussi quelque chose de volontairement assez épuré. Et puis, évidemment, la conclusion, bon, on ne va pas la dévoiler, mais elle est très, très belle, très colorée, si je puis dire, sans la dévoiler. Mais voilà, je trouvais ça vraiment très, très subtil, très beau. Et puis, il y a quelque chose que j'aime bien aussi, c'est et ça me bluffe toujours, hein, dans les films d'animation, c'est comment arriver à faire exister un vrai personnage, c'est-à-dire que ce corbeau devient un vrai personnage à travers ses différentes rencontres. Ben oui, c'est marrant ce dont tu parles, c'est vraiment pour moi les enjeux du cinéma d'animation, et c'est ce que j'adore dans cette pratique, c'est qu'elle est universelle, elle demande un tout petit effort d'imagination, mais en même temps, ce qui est super chouette, je trouve, c'est que tout le monde sait qu'en fait, le cinéma d'animation, c'est un leurre, c'est un trucage. Et même si tous les cinémas en sont, le cinéma d'animation particulièrement, et j'adore jouer avec ça, avec ce côté très naïf, en fait, de « Ah ben tiens, si on bouge deux images côte à côte et qu'on les met dans un certain rythme, de suite, il y a quelque chose qui peut prendre vie. » Et du coup, j'aime bien aussi garder... là, sur ce film-là, on a vachement aimé garder ce côté-là, comme tu dis, très simple, épuré, et en même temps se dire qu'en fait, cette simplicité-là suffit à donner vie et que ça laisse même plus de place à de l'imagination, je trouve. J'aime bien, voilà, ce rapport à l'artisanal aussi qu'il y a, qui est très enfantin, et en même temps, il y a une forme de naïveté que je trouve assez chouette, enfin, en tout cas, qui me plaît beaucoup dans la façon de créer aussi. Oui, puis tu parlais d'universalité. Bon, déjà, il n'y a pas de dialogue, donc on touche déjà beaucoup plus à l'universalité. Et puis le symbolisme des couleurs, il a une force. Et puis en même temps, c'est ça aussi que je trouve incroyable, c'est que finalement, il aurait pu y avoir un côté répétitif, et en fait non, parce que à chaque fois, il y a la couleur, mais ça se passe toujours d'une façon différente, quoi.
Oui, le côté sans parole, c'est un gros enjeu aussi, parce qu'à l'origine, ce sont des contes qui sont du coup transmis de façon orale. Orale, oui. Là, c'est un conte qui vient d'une communauté qui s'appelle Ojikri. Malheureusement, il y en a plus beaucoup, puisque la colonisation continue sous d'autres formes à les tuer. Et en fait, cette transmission de contes, elle était à la base même, comme plein d'autres contes, de transmission aussi de principes d'éducation, de principes culturels, de développer des imaginaires, mais toujours de façon orale. Et là, du coup, avec le créateur sonore, on s'était beaucoup posé de questions sur ça. Comment, en fait, retransmettre ce conte, et alors qu'à la base il passe que par la voix, et du coup on s'est dit bon ben on va prendre le contre-pied, et en fait on va essayer de le faire sans voix, justement un peu comme ce truc qui se passe quand on raconte des histoires le soir et qu'on arrive à fermer les yeux, à s'imaginer plein de choses. Ben on s'est dit ben le film, peut-être que ça pourrait être tout ce qu'on s'imagine et sans la voix. Et du coup tu parlais du travail sur le son et sur la bande son qui est aussi remarquable sur ce film. Comment justement on travaille, déjà à quel moment tu as convoqué ce travail? Est-ce que c'est une fois que tu avais ton montage image, ou est-ce que c'est en amont de ça? Et puis du coup, comment on travaille sur ce projet-là d'un point de vue sonore, musical? Mais je pense qu'il n'y a vraiment pas de règle de manière globale dans le cinéma d'animation. C'est beaucoup une question de méthode, en fait. Ce qui est important, c'est de trouver sa méthodologie avec le groupe avec qui on a envie de créer ce film et cette aventure. Nous, notre méthodologie, elle a été de d'abord travailler sur la création graphique, plastique. On a fait tout le tournage. C'était aussi pour des raisons, forcément, en fait, ça s'est déterminé entre autres par les conditions de production, la réalité du moment, de ce qui est possible. Et la création sonore, elle est intervenue que plus tard. Elle est intervenue même après le montage, en fait. On a fait un premier montage, et ce qui était super, en fait, c'est que tout à fait logique, et heureusement que ça arrivait, la création sonore a bouleversé ce montage-là, et avec le réalisateur sonore, Mathéo Rousson, on a remonté le film ensemble derrière, et du coup, ça en fait, en écrivant le son, on s'est dit, bah, bien sûr que en fait, l'histoire, il faut la pousser vers ça, vers ci, et ça a été une réécriture du film, en fait, avec lui. Et c'est dans ce sens dont je parlais tout à l'heure de vraiment de travail d'équipe, c'est que souvent, dans le cinéma, j'ai l'impression qu'on place un mot réalisateur un peu au-dessus, alors qu'en fait, c'est vraiment une collaboration, et c'est vraiment toutes les personnes qui travaillent dans un film, en fait, viennent le chambouler, que ce soit en cinéma d'animation, un créateur sonore, ou en fiction, un régisseur ou une régisseuse. Ça vient bouleverser toute une atmosphère de travail, et je trouve que c'est ça qui compte le plus, quoi. C'est toutes ces personnes qui viennent mettre un peu de leur vécu dedans, et avec le réalisateur sonore, ça a vraiment été ça, c'était renouveler le film avec son point de vue aussi. Eh bien, écoute, Pierre, merci beaucoup. On arrive à la fin de l'entretien. Merci. Donc, à toi. Bonne continuation pour Au Corbeau. On lui souhaite plein de succès, et puis bonne continuation pour ta carrière de réalisateur collaboratif. C'est très gentil. Très bon festival à vous. À bientôt. Au revoir. Oui. Alors, du coup, on va recevoir maintenant Fanny Lefort, réalisatrice du film Solstice d'un cœur brisé, dont nous allons voir un extrait. 21 juin, solstice d'été. Redécouvrir l'anatomie humaine. Tête, épaules, genoux, orteils, jambes, fesses, boules, oreilles. Même les langues quittent leur caverne humide pour s'exhiber. Du bruit, partout, sans arrêt. Le virus contagieux de la saison, le bonheur. Juin, solstice d'été. Pire journée du monde pour avoir la pire fucking journée du monde. Alors, nous sommes de retour sur le plateau virtuel de la Web TV.
Et donc, je reçois Fanny Lefort, réalisatrice du film Solstice d'un cœur brisé. Et du coup, j'ai changé de place. Je suis plus sur la terrasse, mais je suis juste devant le bar, comme vous pouvez le voir derrière. Donc, les bières sont pas loin. Une bière avec toi en ce moment. Une bière virtuelle. Alors, Fanny, une première question, c'est comment tu es arrivée au cinéma? Comment je suis arrivée au cinéma? Écoute, moi, j'ai commencé, je voulais être animatrice à Music Plus, qui est comme le MTV Much Music québécois. Donc, j'ai eu mon émission sur la web télé de Music Plus pendant 2 ans. On a rencontré plusieurs artistes et tout ça. Et puis après, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup aux vidéoclips. Donc, j'ai commencé à faire des vidéoclips pour plusieurs artistes. Puis c'est là que je suis tombée en amour avec la fiction. Donc, peu à peu, j'ai commencé à écrire des scénarios. J'ai fait une web-série qui s'appelle « Bête à papa », puis ensuite deux courts-métrages. Puis là, je suis en train de travailler sur mon premier long-métrage. Donc, on se croise les doigts pour que ça aboutisse. Alors, comment t'es venue l'idée de « Solstice d'un cœur brisé » ? Bien, à la base, « Solstice d'un cœur brisé », c'était supposé être une série web. Donc, on était supposé suivre Fauve, l'épisode 1, dans le fond, c'est un peu le court-métrage que vous avez vu aujourd'hui. Là. Donc, solstice d'été, elle se fait blesser par son chum, puis elle a la pire journée du monde, puis c'est la plus longue journée de l'année, donc c'est la pire journée au monde pour avoir la pire journée au monde. Et puis, ben, ensuite, on devait la suivre à travers les solstices et les équinoxes de l'année. Donc, il devait toujours avoir un parallèle avec ses émotions et la saison. Puis ici, au Québec, on a très marqué, là. Été, automne, printemps, hiver, très, très froid. Donc, on voyait évoluer sa peine d'amour à chaque solstice et équinoxe pour boucler la boucle le solstice d'après. Et puis, ben, finalement, on n'a pas eu le financement pour la série. On a passé très, très proche de l'avoir. Puis, c'est quelque chose qui m'habitait vraiment beaucoup. Puis, on avait tourné aussi un pilote avec la comédienne et tout. Puis, ça avait super bien cliqué. Donc, un matin, je me suis levée et je me suis dit... « Ah, attends, je préfère un court-métrage avec le premier épisode seulement, puis là, ben, je vais retravailler pour qu'il puisse vivre dans une bulle qui évolue pas. » Ça a donné le court-métrage que vous avez vu. Oui, parce qu'en fait, c'est ce qui est intéressant dans ton film, c'est que c'est une histoire très classique, mais qui est traitée d'une façon très inhabituelle, en fait. Oui, exactement. Ben, juste avoir un personnage qui est mascotte professionnelle dans la vie, déjà. C'est inhabituel, puis... C'est ça, c'est une fille qui vit beaucoup par en dedans puis qui laisse pas trop transparaître ses émotions. Donc, ça est un peu awkward, en fait. Là, donc, ça crée des moments assez savoureux, en effet. Et alors, du coup, comment s'est passée un peu la genèse du projet? Il y a eu un producteur sur le projet ou c'est... On a autoproduit le film. On a tourné ça pour être passé. Puis, ce qui était quand même bien, c'est qu'on avait déjà fait un pilote pour la série web. Donc, on a retravaillé avec la même équipe, sensiblement. Plusieurs acteurs sont revenus aussi. Donc, puis on avait déjà travaillé le style un peu dans le pilote, dans la bande-annonce. Donc, on pouvait juste encore plus le peaufiner avec le court-métrage. On pouvait juste être confiant. Puis, bien, l'introduction, où on voit Montréal l'été, puis on voit les gens qui s'embrassent dans l'ancien monde, où il n'y avait pas la COVID et tout ça. Mais ça, c'était vraiment... On a trouvé ça, c'est le documentaire. Donc, une journée complète, on est parti avec notre caméra, puis on est avec les gens qu'on croisait. Puis, donc, c'était vraiment, vraiment super plaisant de mélanger un peu le documentaire puis la fiction pour tourner cette intro-là. Puis, je me dis, une chance qu'on l'a tourné l'été passé, parce que cette année, ça aurait... Oui, ça aurait été plus compliqué. Ouais, et alors, du coup, tu as retravaillé avec la même équipe ou exactement? Ou... C'est que changer. Alors, attends, j'ai des petits... Par moment, je n'ai plus le son du retour. Est-ce que tu m'entends? Non, là, c'est bon. OK, OK. Donc, oui, j'ai sensiblement toute la même équipe. L'actrice principale est revenue... en fait, on avait tellement bien cliqué. Je trouve qu'elle incarnait tellement bien le personnage de Fauve. Tu sais, même si c'est un personnage drabe, elle a tellement des grands yeux expressifs que même si elle ne fait rien, ben, ça passe quand même. Puis elle a quelque chose d'extrêmement, extrêmement magnétique. Donc, c'était le fun vraiment de renouer avec elle, puis aussi de replonger encore plus dans le personnage. Donc, on avait flirté avec pendant le pilote, puis on a juste pu vraiment plonger à 100% dedans. Puis avec toute l'équipe aussi qui était vraiment contente de tourner le court-métrage et tout ça. Donc, non, c'était juste un beau moment, en fait. Ouais.
Et du coup, tu as pu aller plus loin dans le travail de personnage avec l'actrice, approfondir des choses, des nuances. C'est ça, exactement. Surtout que là, elle devait évoluer en un seul moment pendant cette journée-là du solstice, alors que dans la série, elle devait évoluer bien, sur plusieurs épisodes et tout ça, pour leur travailler un petit peu dans ce sens-là, là, pour qu'elle ait une belle courbe, dans le fond, juste dans, dans ce moment-là qui était le solstice d'été. Et alors, tes projets à venir, donc le long métrage que tu développes. Oui, je suis en train d'écrire ce long métrage-là qui s'appelle Quelque part où il fait beau. Et puis, je suis aussi en train de... ça, c'est le rêve des Québécois au milieu de l'hiver quand ils en ont marre de la neige. C'est les derniers jours d'été, on essaie d'en profiter. Là, je fais ça dans l'entrée de l'hiver, je vais dehors là, pour profiter du moment. Puis, je travaille aussi sur mon premier roman. Donc, dans le fond, quand la COVID, la pandémie est arrivée, ben avant ça, j'avais vraiment un rythme effréné et tout ça. J'avais plusieurs projets que j'avais en tête, mais j'avais jamais le temps de les concrétiser à 100%. Puis là, je suis vraiment plongée dans l'écriture, puis dans une période vraiment créative et tout ça. Donc, je vais plonger à fond. C'est la période idéale, je pense. Oui, le confinement, c'est bien quand on est dans les étapes de développement ou d'écriture. Exactement. Après, quand on avait des tournages de prévu, c'était beaucoup plus compliqué. Oui, il y a eu des petits deuils à faire, je pense, pour tout le monde. Ouais. Bon, merci beaucoup, Fanny. Bonne chance au film et puis bonne continuation. Et surtout, on va croiser les doigts pour ton long métrage. Yes, un grand merci. Amusez-vous. T'es à côté on essaie avec, donc... avec les masques. À bientôt. Salut. Bye-bye. Et donc, nous terminons l'émission réservée, dédiée au réalisateur québécois, avec Éléonore Goldberg, réalisatrice de la saison des hibiscus. Et nous allons... Non, ah non, eh ben non, on s'arrête là alors. Eh ben donc, non, Éléonore ne sera pas avec nous. Et donc, cela conclut la séquence des réalisateurs québécois, qui n'étaient pas tous québécois, comme vous avez pu vous en rendre compte, mais qui ont fait des films au Québec ou en lien avec le Québec. À plus. Je ne sais pas si je suis toujours à l'écran, j'espère que non.